Bonjour mes loulous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Familisphère spéciale fête de la musique et nous allons apprendre à réaliser trois petits instruments. Tout d'abord nous réaliserons des castagnettes, ensuite nous apprendrons à réaliser un mini banjo, puis un joli tambour. On se retrouve donc avec le matériel et les explications. Pour réaliser tes castagnettes, il te faudra un morceau de carton ondulé, des bouchons de bouteille en métal, des feutres de couleur, des ciseaux et de la colle forte. Pour commencer, on va découper une bande dans notre carton. Lorsque cette bande est découpée, on va venir la plier en deux. On va venir placer nos capuchons dessus, à peu près en fait à une longueur de capuchon, tout simplement. Puis on va couper pour pas que ce soit trop grand. Ensuite, pour que ce soit plus joli, on va venir colorier notre carton. Lorsque tu as fini de colorier, on va venir coller à l'intérieur nos capuchons. Pour ceci, il ne te reste plus qu'à mettre de la colle tout autour. Si tu utilises de la colle forte, demande à un adulte de t'aider. Il ne reste plus qu'à attendre le séchage. Et voilà, ça y est, mes castagnettes ont séché. Pour le second tuto, nous allons passer au mini banjo. Pour réaliser ton mini banjo, il te faudra un bouchon de pot en verre, des élastiques et des feutres de couleur, un morceau de carton, de la colle et des ciseaux. Nous allons d'abord commencer par entourer nos élastiques autour de notre capuchon. Une fois nos élastiques bien accrochés, nous allons réaliser le manche de notre instrument. Pour cela, je vais couper une bande dans du carton. Ensuite, je vais venir coller la bande de carton sur mon capuchon en venant également au niveau des élastiques pour les maintenir. Mon manche est installé, on va attendre qu'il sèche. On entend que ça fait bien un petit bruit avec mes élastiques, donc ça fonctionne bien. On va venir tracer des cordes pour que ça ressemble un peu plus à un banjo ou une guitare. Et voilà, ton mini instrument est prêt. Enfin, nous allons apprendre comment réaliser notre tambour. Pour réaliser ton tambour, il te faudra une boîte à fromage, des pics à brochettes et des perles en bois, des feutres de couleur et de la colle. Pour commencer, nous allons réaliser les baguettes. Pour cela, il suffit de mettre de la colle dans le trou de notre perle et d'y insérer le pic à brochette. Ensuite, on va laisser l'ensemble séché. Je vous conseille bien évidemment de couper le morceau piquant pour éviter de se faire mal. Et pendant le séchage de nos baguettes, on va tout simplement venir décorer notre tambour. Nos baguettes et notre tambour sont prêts, il ne reste plus qu'à jouer. Et voilà, j'espère que ce tuto spécial Fête de la musique Familisphère vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle activité. Salut, salut !